que vous êtes dans la joie. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons boire de l'eau fraîche, de l'eau pure, de l'eau de vie, l'eau qui change toutes choses, l'eau qui sort dans le profondeur de Dieu, l'eau qui change l'existence et l'histoire de l'homme, l'eau de la vie, l'eau de Dieu. Nous savons, celui qui a soif, c'est celui qui a souvent, qui a pardon besoin de l'eau, et quand, dès qu'il demande l'eau, on lui donne. Et cette eau-là, dès qu'il boive, ça change tout ce qu'il avait comme besoin. Alors pour nous, aujourd'hui, notre dernier jour, nous allons aussi boire cette eau-là que Dieu donne. Alléluia. Alors je vais essayer un peu de faire la récapitulation de ce que nous avons pris depuis ces 3 jours. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'étaient pas là, mais je vais commencer par ce que nous avons vu hier. Si on peut m'amener les trucs là ici, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Notre grand thème s'intitule opérer dans le surnaturel. Nous avons dit que opérer dans le surnaturel, par sa définition, c'était. Nous avons dit que accomplir une action qu'on juge n'est pas appartenir au naturel. Donc, c'est possible avec Jésus-Christ de faire quelque chose que les gens ne peuvent jamais comprendre humainement parlant. C'est ce qu'on a dit, le surnaturel. On a dit effectuer aussi une série d'actions permettant d'obtenir, d'accomplir quelque chose. Ça, c'est le monde matériel, c'est le monde naturel, le monde physique. Mais il y a encore un monde qui est au-dessus de ce monde, qu'on appelle le monde surnaturel ou le monde spirituel. Et nous avons vu dans Jean chapitre 1, 12 et 13 que ceux qui croient au nom de Jésus-Christ et à la parole de Dieu naissent de nouveau. Mais ils naissent d'où? Où? Parce qu'on ne voit pas comme ça. Cela veut dire, il y a un monde que tu pourras encore naître, on appelle le monde spirituel ou le monde surnaturel. Et dans ce monde-là, il y a deux personnes qui y règnent. Il y a la lumière et les ténèbres. Et dans la lumière, nous avons vu qu'il y a le Dieu Tout-Puissant, mon Père, qui est ton Père, qui règne là-bas. Et tout ce qui naît dans ce monde-là sont appelés enfants de Dieu ou fils de Dieu. Et ceux-là qui naissent au sein du Seigneur, ce sont ceux-là qui peuvent opérer dans le surnaturel. Ce n'est pas quelque chose de mathématique. Ce n'est pas A plus B est égal à 0 X. Non, 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 non. C'est simple. Il suffit d'avoir la foi. Tu peux opérer. Parce que la loi du monde naturel obéit à ce qui est naturel. C'est simple, je le répète. Si un bébé qui vient de naître, il ne peut pas ouvrir, elle ne peut pas grandir si elle n'est pas allaitée du sein de sa mère. Elle ne peut pas grandir si on ne prend pas soin de lui. Étant dans le monde matériel, monde physique, il y a des lois que le bébé doit obéir pour qu'il grandisse. Et en grandissant, il y a un moment où il n'aura pas besoin de maman, il aura besoin de grandir lui-même, d'être indépendant. Et à ce moment-là, vous verrez qu'il a besoin, à chaque moment, pour qu'il puisse garder la vitalité, la force, il a besoin de manger, il a besoin de boire. Toutes ces choses-là lui permettent de faire quoi? D'opérer dans le monde physique. Il réalise des projets, il fait des choses, parce qu'il obéit aux lois du monde naturel. C'est la même chose aussi dans le monde spirituel. Nous naissons au sein de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc cela dit, nous avons le corps physique, mais spirituellement parlant, nous sommes aussi des esprits, parce que Dieu est esprit. On ne peut pas collaborer avec Dieu dans le physique, c'est impossible. Ton Dieu, ou ton papa que tu pries, celui que tu es venu adorer aujourd'hui, est esprit. Et si nous comprenons que Dieu est esprit,
Nous naissons en Dieu. Par là, nous comprenons ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, cela dit, nous pouvons agir comme Dieu agit. Est-ce que vous comprenez? Nous pouvons agir comme Dieu agit parce que on n'est plus simplement dans le monde naturel, mais nous sommes aussi nés dans le monde spirituel. Donc, tel que tu es ou tel que moi je suis un homme, mais habité par l'Esprit de Dieu qui m'a fait naître dans le sein de Dieu. Mais je suis né quand? Quand j'avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si je comprends ça, je reste ferme dans ça, c'est à ce moment-là que je pourrais dire que je vais opérer. Un magicien n'a pas besoin de faire des incantations. Non. Il sait ce qu'il a, il est en contact permanent avec le monde spirituel, via les démons. Un sorcier n'a pas besoin de chercher. Non. Il sait ce qu'il est. Même si toi tu ne sais pas, moi je ne sais pas. Nous pouvons ignorer son identité, mais lui-même il sait ce qu'il est. Il a la capacité d'opérer, il quitte son corps spirituel là où il est et il part quelque part pour opérer. Il peut venir là dans ta maison, il fait, là, nous avons entendu des témoignages. J'étais là chez toi, je t'ai vu, tu priais, je n'ai pas pu opérer. Il n'a rien fait parce qu'il a vu que tu priais. Mais si tu ne fais rien et que tu es dans le théâtre, dans le désordre, dans la distraction, il fait ce qu'il a à faire. Tu commences à voir la maladie, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'un sorcier comprend ce qu'il est et il opère. Mais maintenant, les enfants de Dieu, je ne comprends pas. Vous avez un Dieu. Un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Un Dieu qui avait séparé la lumière et les ténèbres. Un Dieu qui avait envoyé son fils unique pour mourir pour toi et pour moi. Et il a dit que je viendrai habiter dans ma maison qui est ton corps. Maintenant, toi, tu ne comprends pas ça. Tu vis dans la vie ordinaire comme quelqu'un qui... Non. Là, c'est anormal. Raison pour laquelle l'église est malade. L'église a des problèmes. Non pas parce que Dieu a des problèmes, mais c'est parce que toi, qui es un problème, qui ne veux pas opérer comme ton père. Si tu comprends que Dieu est mon père, tu vas agir. Vous savez, un lion n'a jamais donné naissance à un chien. C'est impossible. Là, vous êtes d'accord avec moi. C'est la nature. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Si Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda, il ne donne naissance que aux petits lions et lionceaux. Donc vous êtes un petit lion. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? Étant un lion, si vous voyez un petit chat qui court là-bas, vous commencez à trembler. C'est pas normal. C'est votre identité. Soyez-en fiers. Dès le début, j'avais dit que le message de notre séminaire, ça va plus du domaine pratique. Ne cherchez pas qu'on vous impose la main. Oui, ça sera. Bien sûr, on va prier. Mais plus il faut comprendre ce que vous êtes. Comprenez, mais bien. Je vais insister. Résister encore. Si tu ne comprends pas, tu vas mourir comme un petit chien. Et tu seras l'objet des railleries dans le monde d'où tu es nous donné de nouveau. On va se moquer de toi. On va dire qu'il n'est rien. On peut faire tout ce qu'on a besoin. Parce que tu ne connais pas celui qui vit. C'est le Saint-Esprit. Et hier, j'avais dit, le premier jour, quand nous avons parlé de la croix, ce que Christ avait fait, nous avons dit qu'il y a deux choses. La substitution ainsi que l'identification. Dans la substitution, nous avons dit que Christ a pris notre place. Nos péchés, il a pris, il s'est chargé de nos péchés. Et dans l'identification, nous nous sommes identifiés à lui. Et Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, Galates 2:20. Non. Moi, Paul, que vous connaissez, qui persécutait l'église, je suis déjà mort. Et celui qui vit maintenant, c'est Christ dans ma vie. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Papa, maman, je suis content comme tu dis amen. Mais si tu ne comprends rien, tu vas pratiquer rien et tu ne diras rien. Voilà le résultat. Mais maintenant, si tu comprends quelque chose, tu vas marcher tête haute, avec assurance et foi, pour déclarer des choses, pour que les choses s'accomplissent. Ce n'est pas l'impossibilité, c'est possible. Alléluia. Et hier, nous avons
Vous savez, dans la pédagogie, on dit la répétition est la meilleure quand vous les connaissez. Dieu, dans la Bible, il n'a jamais arrêté de continuer de faire quoi? De répéter aux hommes qu'il a créés à son image, de laisser cette vie, laisser cette mauvaise vie. Dès que Adam avait péché jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur parle toujours. Parce que lui-même, il est le meilleur pédagogue. Le premier pédagogue, c'est Dieu. Et comme ça, il nous apprend aussi à faire quoi? À continuer à répéter. Pour, à travers cette répétition, pour que nous puissions accueillir, recevoir quelque chose de sa part. Hier, nous avons dit, nous avons en nous l'âme. Ce qui vous empêche, ce qui m'empêche d'opérer, j'avais dit, nous avons identifié ça à ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le verre, son extérieur, c'est mon corps. Et mon corps a cinq sens. Nous avons dit, il y a l'ouïe, il y a l'odorat, les goûts, les touchés et la vue. Cinq sens. Dans ces cinq sens-là, qui est en contact avec le monde matériel, ça me permet d'opérer. Ça me permet de faire tout ce que je veux. Mais par contre, nous connaissons que la Bible dit que le monde-là est pollué par le prince de puissance de l'air, qui est le diable. Tout ce qui est dans ce monde, tout ce qui entre en contact avec moi est déjà corrompu et n'accepte pas ou n'obéit pas aux lois de Dieu. Alors s'il est corrompu, il est mauvais et il est condamné seulement, non pas à être remédié ou à être essayer un peu de réconfort, puis d'arranger ça. Non, le Seigneur l'a dit clair et net. Sa finalité, c'est quoi? C'est la mort. Et Christ, sur la croix, avait pris notre corps, sa chair là. Raison pour laquelle il était né comme moi, comme toi, comme moi, comme vous, pour qu'il puisse prendre nos péchés charnels sur la croix. Donc il a pris cette chair. Et à l'intérieur de notre chair, cela veut dire comme toi tu es, comme moi je suis, à l'intérieur de moi, il y a une âme. Dans cette âme-là, il y a la volonté, la faculté là où je prends des décisions. Là, on trouve ta personnalité. Quand tu ne veux pas qu'on puisse toucher de toi, qu'on puisse, tu n'aimes pas qu'on blague de toi, tu n'aimes pas qu'on touche ta personnalité, c'est l'âme. Et dans l'âme, il y a la volonté, il y a l'intelligence et il y a le sentiment. Dans l'intelligence, c'est le domaine de pensée, de l'intellect, le raisonnement. Là où je réfléchis, là où je fais toutes choses, je conçois des choses, c'est dans mon intelligence. Et dans le domaine des sentiments, c'est là où il y a des angoisses, des plaisirs, des désirs. Il y a de l'amertume, tout. C'est le domaine de l'âme. Et quand l'âme n'est pas encore transformée, elle est comme ça. Elle est noire. Pourquoi elle est noire? Parce qu'elle ne se soumet pas aux lois de Dieu. Elle ne peut pas opérer dans le surnaturel. Elle est totalement charnelle. Elle est condamnée et elle vit dans... Là, je parle pour ceux qui, néanmoins, qui connaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, cela veut dire qu'il vit dans la vie de haut et de bas. Tantôt, il est une bonne chrétienne qui prie, qui gêne. Tantôt, elle est angoissée par le sentiment de son âme. Tantôt, elle a des bons raisonnements, des bonnes pensées. Tantôt, elle a des pensées mauvaises qui l'envahissent. Le suicide, le manque de goût des filles, le tout, c'est ici. Et nous avons dit ceci. Tu prends l'eau de la vie, qui est la parole de Dieu. Nous avons dit ça, c'était Jean chapitre 6, verset 63. Quand vous prenez maintenant cette eau, vous m'excusez, vous prenez maintenant cette eau de la vie, si vous allez commencer, pardon, à faire quoi? Non pas à lire la Bible, la parole de Dieu comme un journal, non. Le Seigneur ne nous a jamais recommandé ça. Il nous a recommandé de méditer. Je le répète, méditer, c'est Josué chapitre 1, verset 8. Il dit méditer, méditer, méditer. Dieu a insisté parce qu'il dira ton succès, il dépend. Ta gloire, la façon d'agir dans le surnaturel, il dépend. Donc si vous méditez la parole de Dieu, cette parole va vous donner la nature même de Dieu. Vous allez devenir comme ça. Vous comprenez? Parce que la Bible dira, la parole que Christ faisait sortir dans sa bouche, c'était esprit et vie. Donc cette parole-là donne la vie. Dans mon âme, il était esprit parce que c'est l'esprit aussi qui amène la vie. Et maintenant, la parole de Dieu là, qui est l'eau pure,
Si vous commencez à le méditer chaque jour, chaque jour, chaque jour. Par exemple, vous venez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu. C'est un peu, c'est un tout petit peu seulement comme ça. Vous faites maintenant 2 semaines, 3 semaines. Vous ne venez pas à l'église. Ça ne change rien. Parce que tout ce qui était avant, il reste encore, il demeure. Donc votre comportement, votre caractère reste encore le même. Avec des pensées impures, des sentiments mauvais, tout est mauvais. Et ne croyez pas que je vais gêner pour que je sois agréable à Dieu. Tu vas gêner, faire 50 jours, même 100 ans, voire même 365 jours. Ça ne changera rien. Il n'y a aucun philosophe, aucun psychologue qui a le pouvoir de changer l'âme de l'homme, si ce n'est que la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu a la capacité de transformer l'homme dans son identité la plus totale. Et cela s'est fait en s'identifiant en Jésus-Christ. Comment on peut s'identifier à Jésus-Christ? En prenant sa parole. Lui-même nous a recommandé, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit quelque chose. Non, non, non. Il a dit que mes paroles demeurent. Mais là, ces paroles-là, il faut la prendre chaque jour. Si tu prends moitié, moitié, petit, petit, ça ne va pas. Prends-la comme tu prends la nourriture. J'ai dit ceci. Tu peux opérer dans le monde spirituel comme tu opères dans le monde physique. Chaque jour, tu manges. Chaque jour, tu bois. Chaque jour, tu te laves. C'est la même chose avec ton corps spirituel. Il a besoin que tu puisses l'entretenir jour et nuit. Et comme ça, il grandira devant la présence de Dieu. Et ça te donnera maintenant la force d'agir. Je ne dis pas quelque chose de mystérieux. Non, c'est simple. C'est à vous maintenant d'appliquer ça à travers votre volonté. Si tu veux, tu pourras. Alléluia. Maintenant, tu vois, tu commences. Jusque-là, ce n'est pas encore changé. Tu vas continuer, tu vas continuer, tu vas continuer. Chaque jour, chaque nuit, chaque heure, à chaque moment, je me donne entier dans la parole de Dieu. Lorsqu'il a dit, j'ai fait peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais il n'y a rien qui change. Mais le processus qui est déjà en route, peut-être je verrai que j'ai encore de mauvaises pensées, j'ai encore de mauvais désirs, j'ai encore de mauvais sentiments. Tu as souvent tendance, bon, je vais divorcer parce que vivre seul, c'est mieux. Tout ce qui vient dans tes pensées là, c'est noir. Et ça va vous causer que la chute. Maintenant, si tu continues à méditer la parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 4, verset 18 jusqu'à 20 quelque chose, ça te dit que c'est là où le vieil homme a été crucifié et qu'à travers la nouvelle naissance, nous avons eu la vérité qui produit la justice et la sainteté. Et il a dit d'être renouvelé. Tes pensées seront renouvelées. Non pas par rapport à ce que toi tu veux, mais sera renouvelé en faisant quoi? En appliquant la parole de Dieu. Tu obéis. Pas simplement lire, pas simplement pardon, méditer. Mais ce que tu médites, tu l'appliques. C'est la Bible. Là on dit, n'injuriez point. Il ne faut pas injurier. Là on dit, il ne faut pas faire des commérages. Ne le fais point. N'appelle pas quelqu'un pour dire, ah maman, là, dans la tête qui veut malheureux l'église. Non, 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 non. Commence premièrement, je dis bien, c'est question de volonté, à te discipliner toi-même. Amen. Si tu veux, tu peux. Regardez, quand tu vas continuer, 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 cette parole-là va commencer à transformer, à transformer, à transformer, à transformer, jusqu'à ce que tu seras identique à Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, tout ce qui était noir, tout ce qui était mauvais en toi est parti, tu es devenu comme Christ. Amen. Alléluia. L'âme dans la vérité demeure en vous. Vous marchez comme Jésus-Christ. Et si vous marchez comme Jésus-Christ, vous avez là la facilité d'opérer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que Christ était malade? Christ était malade? Non. Non, il a pris nos maladies dans son corps, mais lui-même n'a jamais été malade. Il ne connaît même pas malade, parce que le pouvoir de la maladie vit au travers du péché. S'il n'y a pas le péché, comment le diable viendra vous accuser ou vous faire tomber de le malade? Non, c'est impossible. Est-ce que vous avez compris? Amen. Papa, maman, le pasteur, le prophète, les hommes de Dieu aujourd'hui sont devenus des hommes qui n'ont pas la puissance, qui ne peuvent rien. Et vous allez chercher des hommes qui ont tendance à vous demander ou à faire des choses pour que vous voyez un peu des sensations. Vous avez, oui pasteur, j'ai senti un peu de chaleur là. Oui. Non, 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 c'est rien. Ce que Dieu a besoin, ce n'est pas d'enlever. Vous savez, le plat là que vous voyez, on peut enlever une simple fleur. Donc cela du ciel des fruits, vous enlevez. Mais le plat lui-même, il est encore vivant. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu d'enlever la nature même de cette plante qui cause tous les dégâts dans votre vie. Et il le fait à travers de sa parole. Et que cette parole, quand il entre,
transforme. Tous les hommes que nous connaissons qui étaient totalement incrédules, incroyables, mais à travers la puissance de la parole, ils ont fini par être transformés parce que la parole est esprit et vie. Amen. Alléluia. C'est à vous, maman. Je vous en prie pour la... Dieu, regarde. J'ai mal. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas ça, c'est l'enfer qui est devant vous. Je vous dis, frère, Dieu ne fera pas quelque chose de nouveau si ce n'est que la croix. Il n'y a rien. Dieu dit, son fils était mort. Il a besoin de vous, que vos caractères là qui vous empêchent de voir sa gloire, d'être crucifié. C'est pourquoi Paul dit, moi j'ai été crucifié. Donc si crucifie ta chair, crucifie ta personnalité qui est dans ton âme, qu'il soit crucifié. Nous avons cru en Jésus-Christ, c'était comme ça. On se moquait de nous. On changeait, oui. Ma tétité, soit tout ça, là, dans nous, ça a changé. On est devenu obéissant. C'est la nature de Jésus-Christ. Bon, je ne vais pas m'attarder là-bas. Aujourd'hui, nous allons voir les rochers frappés. Je suis dans Exode chapitre 7, 17, 1 à 6. Si vous avez compris ça, quand nous allons prier, tu sais ce que tu vas demander. Tu sais ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Mais si tu n'as pas compris ça, nous viendrons ici, Exode 7. Nous viendrons ici, vous ferez des années. Finalement, vous allez vous décourager en disant que les diacres, en disant que les pasteurs, en disant que les évangélistes sont rien. Non. Ce n'est pas une question que eux n'ont rien, mais c'est toi. Quand vous avez la volonté vous ouvre la voie vers la foi pour que vous obteniez quelque chose de la part du Seigneur. Dieu n'est pas... Vous savez, la grâce de Dieu est grande. Quand nous avons cru, le Seigneur faisait des choses automatiques, de bénédiction, de tout. Mais ça, ce n'était pas encore la vie surnaturelle. Nous avons vu hier que Jacob était béni, richement béni. Mais il était encore Jacob. Mais dès qu'il a rencontré cet homme-là, le visiteur inattendu, celui qui est venu, au lieu avec sa. Vous savez, c'est la mort qu'il attendait devant. Il est resté seul à cause de la peur de mourir. Au lieu de demander l'identité de cet homme-là qui est venu sans invitation, il a commencé directement à combattre. Parce qu'il avait la peur. Et la peur, c'est le facteur de l'âme. Mais celui qui a Jésus-Christ dans son esprit, qui éclaire son âme, il n'a pas peur. Il a la confiance. Et cette confiance-là lui rassure que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit. Il me conduit vers de belles pâturages. Alléluia. Amen. Exode 17. La Bible dit quoi? Exode 17, j'ai dit. Et puis Jean 7, 37 à 39. Exode 17. Et puis Jean 17. Jean. Exode 17. 1 à 6, Jean 7, 37 à 39. La Bible nous dit ceci: toute l'assemblée des enfants d'Israël partis du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Refidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple qui était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse et disait: pourquoi nous a-t-il fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant: que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël, parole du Seigneur. Amen. Jean 7, 37 à 39. Le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria:
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive coulera de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Parole du Seigneur. Amen. Jésus n'était pas encore glorifié. Est-ce que ces deux textes ont des rapports? J'ai dit oui. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, avec son corps physique, vous allez remarquer dans la Bible, ceux-là qui ne voulaient pas de lui, ce sont ceux-là qui connaissaient les Écritures. Cela dit, les pharisiens, ainsi que les scribes, ainsi de suite. Ils n'ont pas voulu de Jésus parce qu'ils ne croyaient pas. À peine, je venais de lire dans Matthieu, je crois, si je ne me trompe pas, verset 12 bien 14, là où Jésus est allé dans sa ville natale. Maintenant, les gens, quand ils le voyaient, on se demandait. C'est pourquoi le premier juge avait dit ceci. Christ n'était pas un homme. Hier aussi, je l'avais répété. Il n'était pas un VIP. Donc, cela dit, une personne très importante avec des costumes brillants. Non, 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 non. Dans Matthieu, la Bible dit ceci, qu'il était... Pardon, Esaïe 53, la Bible dit qu'il était comme ça. Simple, normal. Il n'avait pas cette beauté, la gloire de Dieu qui puisse attirer l'attention des hommes. Il n'y en avait pas. Esaïe le dit très bien. Maintenant, quand il est rentré dans sa patrie, les gens, qu'est-ce qu'ils entendaient? Ils entendaient ce qui sortait de lui. La sagesse, le miracle, une parole puissante. Et il se demandait, on connaît ses frères, on connaît ses sœurs, Joseph, Jacques, on les connaît. C'est le fils de Joseph et Marie. On les connaît. On prenait Jésus-Christ, non pas par rapport à ce qu'il était, au-dedans de lui, mais ce qu'il voyait dans l'apparence physique. La Bible dit, Christ n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans sa patrie à cause de leur incrédulité. C'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, Christ est déjà glorifié. Quand il disait la prophétie de Jean 7, 37 à 39, il n'était pas encore glorifié. Mais maintenant, comme nous sommes là, il est glorifié. Quand il est glorifié, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a donné le Saint-Esprit. Sans la mort du Christ, il n'y a pas le Saint-Esprit. Raison pour laquelle nous voyons ici, Exode, notre verset de base, 6. Il dit, Dieu dira à Moïse, je me tiendrai devant ces rocs-là. Tu vas prendre les bâtons qui avaient séparé la mer rouge à des parties. Tu vas frapper dans ces rochers. Et ces rochers, ça fera quoi? Fera jaillir de l'eau. Et c'est ce qui s'était passé. Les rochers-là qui étaient frappés, ce n'est pas Satan qui avait frappé les rochers. La Bible dit Dieu. Pourquoi? Parce que les bâtons de Moïse, ces bâtons-là, étaient la droite de Dieu qui avait frappé Jésus-Christ. C'est pourquoi quand vous verrez toutes les souffrances qui est énumérées dans Esaïe 53, le diable n'a ni part, n'a même ni droit dans ces souffrances-là. Pourquoi? Parce que ça venait simplement et tout droit de Dieu lui-même. La référence qu'il fait voir, ça venait de Dieu, c'est dans Exode 17, 6. Il dit, frappe les rochers. Les rochers-là qui étaient frappés s'appellent Jésus-Christ. Jésus est les rochers. Jésus est les rochers. Dieu l'a fait frapper pourquoi? Dieu l'avait frappé parce qu'il y avait un besoin imminent. Je le répète, un besoin imminent. Quel était ce besoin? Le peuple était assoiffé dans le désert. Il fallait qu'il puisse boire de l'eau. Et l'eau ne pouvait venir que de la rochers. Alléluia. C'est ce que déclare la Bible. Ce peuple-là qui était dans le besoin, Dieu dira, je te donne une solution, frappe les rochers. Quand il a frappé les rochers, l'eau est jaillie. C'est l'image de la croix. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, là, il ne faut pas prendre tous les noms. Non, Dieu a tant aimé toi. Amen. Qu'il a donné Jésus-Christ pour toi. Amen. Afin que quiconque, donc toi, tu crois en Jésus-Christ,
tu ne périsses point. Le verbe là périr, c'est la mort de Jésus-Christ, la croix, qui avait pris ta mort, que tu devais périr. Christ l'a pris, l'a emporté sur la croix. Les rochers frappés. Dieu l'a frappé pour que toi tu ne meurs point, mais que tu puisses avoir la vie éternelle. Cette vie-là, c'est le Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ est mort pour que tu puisses avoir la vie du Saint-Esprit. En ayant la vie du Saint-Esprit, te permet d'opérer dans le monde surnaturel ou le monde spirituel. Et maintenant, toi, tu es un homme physique, tu as la capacité d'opérer dans ce monde-là à cause du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'esprit de papa Simon qui me manque. Non, non, non. Je ne suis pas contre. C'est votre croyance. Mais la Bible me dit, ce n'est pas l'esprit d'un homme, mais c'est l'esprit de Dieu. Donc vous êtes là, il y a un Dieu qui habite en vous. 1 Corinthiens 3:16, la Bible dit que notre corps est devenu quoi? Le temple. Est-ce que toi tu es le temple du Saint-Esprit? Amen. Si tu es le temple du Saint-Esprit, tu seras comme ça. Amen. Mais si tu n'es pas comme ça, tu as encore quelque chose de noir. Comme on avait vu au début du Coca-Cola, cela veut dire que vous avez encore des choses à arranger. L'escroquerie, la haine, la jalousie, toutes ces choses-là doivent être bannies pour que tu puisses avoir cette nature. C'est cette nature qui a le Saint-Esprit. Amen. Et cette nature n'a pas besoin d'avoir crainte de la maladie qui est en train de lui inopérant. Parce qu'il sait, sur la croix, Jésus-Christ dira, c'est par ses maîtres sûrs que je suis guéri. Maman, mets la parole de Dieu en pratique. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le rocher a été frappé. Aujourd'hui, on n'aura pas beaucoup de temps. Bientôt, on va terminer. Parce qu'on va prier. Le rocher a été frappé. Le rocher a été frappé, pas pour une autre personne. C'était pour toi et pour moi. Si vous comprenez ces choses, c'est à ce moment-là que nous allons déclarer des choses. Et les choses vont s'accomplir. Il y a une soeur dans notre pays là-bas, aux Pays-Bas. Il avait des difficultés dans sa situation du séjour. Alors, tout était négatif. Tout était négatif. Et moi, je lui dirais, je ne sais pas c'était comment, mais je lui avais dit que toi, tu ne vas pas sortir de ce pays. Ton papier, ton séjour là, tu auras ici. Et pourtant, il y avait déjà des propositions. Lui-même était convaincu, elle était pardon, convaincue qu'elle sorte, qu'elle laisse les pays. Et maintenant, ce que moi j'avais dit, lui, il avait pris ça comme parole de foi. Il a pris ça, il s'est accaparé de cette parole. Ça fait comme mode de sa vie. Il est devenu têtu dans la foi. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui avait dit que tu ne sortiras pas. Il mit sa confiance, non pas simplement aux paroles, mais à ce Dieu-là, qu'il ne voyait pas de ses yeux, mais qu'il voyait par la foi, qu'il a la capacité de rendre ce qui est impossible, possible, à partir des déclarations. Après quelques jours après, elle va m'appeler à dire, à tout joyeuse, il dira, le Seigneur a fait, ton Dieu l'a fait, maintenant j'ai saisi. Moi je dis, je ne comprends rien. Maintenant tu m'avais dit un jour, ah bon c'est ça. J'ai complètement oublié. Mais néanmoins, lui il avait retenu cette parole. Aujourd'hui, moi je vous présente cette Bible encore. Si vous retenez seulement cette parole en vous là, ici, ce qui était néant va sortir de quelque chose. La Bible dit qu'ils étaient dans le désert, dans la souffrance, mais le besoin était imminent de boire l'eau. Et l'eau qu'ils avaient bu a donné, a rempli tout leur besoin, a rempli tout ce qu'ils cherchaient. Et c'était fini. Aujourd'hui, ça s'appelle fini pour ta vie. Mais une seule chose, crois. Et la deuxième, pardon, première chose, c'est d'avoir le besoin. Et la deuxième chose, c'est de croire. Si tu es venu comme d'habitude, que je vais voir, il y a papa Emma, il y a papa John, il y a papa Pierre, ainsi que tout le monde là qu'on connaît là-bas. Il y a papa Michou, on se connaît. Mais on vient à l'église, il faut avoir l'œil spirituel, de voir un Dieu que tes yeux ne peuvent pas voir. Mais ce Dieu-là spirituel va aller vers ce Dieu qui est spirituel, surnaturel, de voir quelque chose de surnaturel en toi. Et ces choses-là que tu vas avoir par la foi, te rendra puissant pour que tu puisses commencer à opérer dans le surnaturel. Ce sont des choses qui ne sont pas rationnelles. Ce n'est pas ici, je les répète. Ce n'est pas dans l'intellect de l'homme. Mais ça commence par, j'ai la bonne volonté. Je crois. Je me laisse faire. Nous avons vu hier
Jacob était dans le torrent de Jabbok. Le torrent de Jabbok, c'est quoi? Qui s'écoule. Cela veut dire qui s'écoule, qui se vide. Il faut aller premièrement sur la croix. Il faut te vider devant la croix de Jésus-Christ. Donne-lui tout ce qui est de toi. Donne. Et quand tu vas te vider, Jésus-Christ va maintenant combler ce vide-là par sa présence, qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas un esprit humain. Il est Dieu en vous. Alléluia. Quand vous allez entrer dans sa présence, vous allez demander, Seigneur, quelle est ta volonté? Il va se manifester. Là où il n'y a pas des enfants, il y aura des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y a la sécheresse, il fait répandre l'eau pour qu'il puisse verdir encore de nouveau. Amen. Là où il y a des soucis, il donne la solution. Toutes les pensées impures qui jaillissent votre âme, qui vous rendent angoisse, inefficace, ces pensées-là seront totalement parties et seront remplacées par des pensées pures qui viennent du Saint-Esprit. Je ne dis pas des racontards, mais ce sont des choses que nous avons vécues et on continue à les vivre. Amen. Et ça nous rend opérants dans le monde spirituel, dans le monde surnaturel. Ce n'est pas pour les pasteurs que Dieu avait accepté et frappé les rochers. Il a dit à tous ses enfants, raison pour laquelle il dira à tous ceux qui l'ont reçu. Il n'a pas dit aux pasteurs qui vont les recevoir, aux évangiles. Non, non, il a dit à tous, 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 toutes personnes. Donc, y compris toi et moi. Alors, enlève tes pensées dans la vie des hommes de Dieu. Mets-toi devant la croix. Sois dans les temps de toi de Jabbok. Réponds-toi. Fais-toi couler. Dans ce moment-là, la vie de Jésus viendra. Et quand il va s'accaparer de votre âme, il changera même votre existence. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez comment les prêtres parlent, non? Qui n'a pas fréquenté l'église catholique? Nous, nous l'avons fréquenté. Ils ont cette tendance-là, cette sainteté-là extérieure. Ils marchent comme si... Oh, ils sont merveilleux ces gens-là. C'est comme si nous ne connaissions jamais de péché. Mais pourtant, dès qu'ils finissent à dire, ils rentrent en coucou, ils prennent les cigarettes. Oh non, 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 ces gens-là. Mais avec le Saint-Esprit, il n'y a pas d'hypocrisie. La vie est transparente comme de l'eau. C'est comme ça. Alléluia. Ça ne vous change pas pour être bon devant les hommes et mauvais devant Dieu. Non, 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 non. Il vous change bon devant les hommes et bon devant Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu vas dire aux hommes que mon conseil c'est la rabino, tu dis ça dans ton esprit et dans ton âme. Et c'est la vérité. 1 Jean, pour conclure. 1 Jean chapitre 1, verset 6-7. 7. Aujourd'hui, celui qui va boire de l'eau, cette eau-là qui est le Saint-Esprit, il faut avoir une besoin. Si tu en as, tu vas le boire maintenant. 1 Jean 1, 6, 7. Dit au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mettons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son fils, nous purifie et tout péché parole du Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. La Bible a dit clairement, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même, lumière, nous sommes mutuellement en communion avec Dieu. Maintenant là, ce n'est pas question de forcer parce que dès que vous êtes en communion avec Dieu, le sang est là. Amen. Les rochers qui a été frappé, ça a répandu l'eau. C'est Jésus-Christ qui a été frappé sur la croix. Amen. Le sang qui a coulé, ce sang-là, tout ce qui croit en Jésus-Christ porte la marque du sang. Amen. C'est pour laquelle vous verrez en Égypte. Quand Pharaon Moïse fait les miracles, Pharaon aussi fait les miracles. Alléluia. Amen. Quand Moïse opérait dans le surnaturel, Pharaon aussi opérait dans le surnaturel. Les diables, les démons, les sorciers n'ont pas peur de toi quand tu parles là. Quand tu fais des. Non, 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 ils n'ont pas peur de ça. Amen. Une prison, c'est leur peur d'une seule chose. Amen. Que la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause. Amen. Ils l'ont vaincu à cause. Ils l'ont vaincu à cause. Ils l'ont vaincu à cause. Amen. Vous avez la victoire à cause. Amen. La Bible du sang. Alléluia. Donc vous avez le sang. Là où Jésus-Christ a été frappé, si vous avez ce sang-là, le Saint-Esprit vient. Amen. Il vise. Amen. Il touche. Il bouge, il change. Mais s'il n'y a pas le sang, il n'y a pas la vie de l'esprit. Alléluia. Amen. Et là maintenant, le monde spirituel pour vous est devenu facile. Pourquoi? Parce que le
Bible dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, nous devons aussi marcher comme lui. Je sais que nous travaillons beaucoup. Il y a d'autres visages là que je vois. Vous êtes vraiment fatigués. Caillou. Bon, il y a la part des cailloux, il y a aussi la part de Dieu. Amen. Et si vous avez soif, nous allons mettre debout. Et on va nous amener dans l'adoration. Je reconnais que tu peux tout. Dieu peut tout. Ne que rien n'est. Il n'y a rien qui ne soit opposé. Si tu es toi, commencez déjà à avancer. Thank you.
cette malédiction qui retient mon mariage n'a pas le pouvoir. Hier, je vous avais dit qu'il y a une sœur qui cherchait que Dieu puisse lui parler. Il y a une sœur dans l'église qui avait besoin qu'il puisse entendre le prophétie de la part de l'Éternel. Mais le Seigneur lui dira qu'il lui manque dans sa vie l'huile qui est le symbole du Saint-Esprit, qui est le symbole de l'eau qui a été répandue, qui est le symbole de la vie de Dieu en, lui, en nous. C'est cette vie-là. Si elle est en toi, c'est la solution de tout et tu peux maintenant opérer dans le surnaturel. Oui, Dieu fera faire sa gloire, mais maintenant c'est à toi. Crois que tu es un lion. Crois que tu as la nature de Jésus-Christ et commencez à déclarer. Après moi, je vais prier pour vous. La gloire de Dieu va se manifester, mais le Seigneur touchera quelqu'un parmi nous ici. Si seulement tu as la foi, le Seigneur va te toucher. Si seulement tu as ta foi, tu verras la gloire de Dieu se manifester. N'aie pas peur, ne crains pas, il est ton Dieu. Le message qu'il avait donné déjà bien avant, qu'il t'aime. Si l'amour de Dieu est là, cela veut dire qu'il est prêt pour se manifester, pour te donner ce que tu cherches. Ce n'est pas des slogans, c'est vrai, mais ça dépend de ta foi. Il y a un, dans la Bible, il y a un village où le Seigneur n'a pas pu opérer parce qu'il ne croyait pas. Il ne croyait absolument pas. Alors non, toi ne sois pas comme ces gens de ce village-là qui n'ont pas crié que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Crois qu'il nous a donné son esprit. Crois que tu es l'habitation de Dieu et commence à déclarer. Alors, entrez dans la présence de Dieu, commence à déclarer pour ta propre vie si ce qui ne marche pas, si maladie, s'il y a blocage, s'il y a malédiction, tu n'as pas le droit d'être maudit. T'as pas la maladie. La Bible a dit il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es dans la malédiction, toujours dans la malédiction, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais aujourd'hui, tu as compris que tu peux agir dans le surnaturel. Commence maintenant à déclarer au nom de Jésus-Christ. Oh,